laissez pas votre culpabilité prendre le dessus sur votre foi. Quelle est votre peur la plus profonde, Monsieur Cruise? Serait-ce d'être inadéquat? Laissez tomber, Monsieur Cruise. Rentrez chez vous. Hé? Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? Vas-y. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Et à vous tous.
sur le champion des États-Unis avec son allure particulière dans le virage. Michael Johnson est en train de dérouler maintenant. Il va accélérer, personne ne va résister. Regardez les écarts. Les écarts sont en train de devenir faramineux. Michael est seul au monde. Tous les autres derrière. Attention, chrono. 43-29, record du monde. Arrive Butch Reynolds. Record du monde. Michael Johnson. Record du monde du 400 mètres. Il l'avait annoncé. Il l'a fait. 43 secondes et 19 centièmes. Le vieux record d'Harry Butch n'a pas survécu, Bernard. Quelle intelligence de course aussi. Il est parti. Il a couru en accélération progressive. Presque. On parlait de sa réserve de vitesse. Ce record, il l'avait raté de peu au dernier championnat du monde en demi-finale. En relâchant, c'était une demi-finale. Là, on le prédisait tellement on l'avait vu facile. Bon, indépendamment bien sûr de son talent et de cette forme qui est la sienne à Séville, là, sur ces championnats du monde, il a couru d'une manière, je dirais, pleine d'intelligence, ce qui explique ses écarts aussi. Il est double recordman du monde. Avec nous, un garçon qui a couru en 43-18, vous vous bossez comme un fou, vous arrivez à 45-31, vous faites pas partie du même monde alors? Apparemment, vu le chrono, je ne fais pas partie du même monde, pas encore. Mais non, peut-être que je vais y arriver au fur et à mesure des années en m'entraînant jour et nuit. En tout cas, Michael Johnson qui avait longtemps tenté ce record du monde, qui avait toujours buté sur ses 43-29 d'Harry Butch Reynolds, a enfin réussi.